Bonjour Philippe. Bonjour Mario. Alors Philippe, on va parler de ESG aujourd'hui. PTAM est un des leaders et des pionniers dans l'ESG. Quelles sont les avancées actuellement au niveau du groupe? Alors, oui, c'est une très bonne question. Vous avez raison de le mentionner. Hein. Pictet fait partie des pionniers au niveau de l'ESG. L'ESG est ancré dans notre ADN pour une raison qui est un petit peu simple et liée surtout à notre histoire, à savoir que, comme vous le savez, le groupe est détenu par des personnes physiques qui ont parmi leurs principaux devoirs la transmission du groupe. Donc, qui dit transmission du groupe, c'est transmettre un groupe sain, tant financièrement, socialement, également environnementalement, aux générations futures. Donc, ça, c'est passé par énormément d'initiatives. La plus connue jusqu'à présent, c'était la création de notre siège en 2007 à Genève, qui avait permis de diminuer les émissions de CO2 par employé de 73%. En 2020, on a repris un nouvel objectif qui va nous amener à 2030, qui est de baisser les émissions totales du groupe de 55%. Donc, pour donner un chiffre un peu plus précis, c'est passé de 5 000 tonnes de CO2 par an d'émissions à 2 300 tonnes de CO2, sachant qu'on va compenser ces émissions restantes. Merci. Du côté des investissements, comment ça se traduit? Alors, côté investissement également, on n'est pas resté inactif. Aujourd'hui, on intègre l'intégration hein, de critères et d'analyses ESG au niveau de nos investissements, dans la quasi-totalité de nos stratégies. Côté stratégie également, lancement de nouvelles stratégies, là aussi, on n'est pas resté inactif. On a été pionnier, comme vous le savez, tout au long de ces 20 dernières années dans l'ESG, avec notamment Pictet Water en 2000 ou encore Pictet Timber en 2007. Et cette année, en mars 2023, on a lancé la première stratégie action chinoise basée sur l'environnement. Alors, l'objectif, hein, la Chine fait partie des principaux pollueurs, mais les autorités chinoises ont bien pris compte de cette problématique et ont placé l'environnement au sein des priorités pour les décennies à venir. Et on commence à avoir l'émergence de sociétés qui sont vraiment à la pointe en termes d'environnement. Donc l'objectif, c'est vraiment de combiner la croissance à long terme des marchés chinois avec et accompagner l'apparition et la croissance de ces sociétés-là. Merci Philippe de ce point complet sur l'environnement ESG chez PTAM et à très bientôt sur les antennes de Patrimoine 24. Merci beaucoup Mario. Au revoir. Au revoir.